allons étudier les continents. J'ai amené une carte du monde avec des étiquettes, des noms des... C'est quoi cette cochonnerie? Avec le nom des étiquettes. Qui veut bien aller nous placer l'Europe? Emmanuel? L'Europe va ici. Oui, très bien. Qui veut bien aller me déposer l'Asie? Célia? Très bien. Et qui veut bien aller me déposer l'Amérique? Mon maîtresse. Oui, Titi? Très bien, Titi. Maintenant, qui a découvert l'Amérique? C'est Titi, maîtresse. Ben non, c'est Christophe Pigeon. Bien. En parlant d'animaux, va t'asseoir, Titi. En parlant d'animaux, on va passer à la science. Et nous allons parler de notre escapade à la ferme. J'ai dit que je voulais plus de cochonneries comme ça. Quel est le bruit du mouton? Célia? Toute la classe répète maintenant. Très bien. Maintenant, qui veut bien me dire quel est le bruit du cochon? Céline? Bien, maintenant toute la classe répète. Très bien. Qui veut bien me répéter le bruit de la poule? Emmanuel? Plus fort, s'il te plaît. Très bien. Maintenant toute la classe répète. Très bien. Qui veut bien me dire le bruit de la vache? Céline? Plus fort, s'il te plaît. Très bien. Toute la classe répète maintenant. Les bruits de ces animaux. Cette partie-là va faire le bruit. Madame, oui. J'avais oublié un bruit qu'on a vachement entendu à la ferme. Lequel, Titi? Le camion. Ok, c'est bon, ça suffit. Le tracteur n'est pas un animal. Je reprends. Cette partie, la poule. Cette partie, le cochon. Cette partie, la vache. Et cette partie, le mouton. Quand je dirai le numéro 1, la partie de la poule, fait le bruit de la poule. Quand je dirai le numéro 2, la partie du cochon fera le bruit du cochon. Quand je dirai la partie numéro 3, la partie numéro 3 fera le bruit de la vache. Et quand je dirai le numéro 4, la partie 4 fera le mouton.
Dur devoir. Et mon père dit que le devoir ça sert à rien.